Oui, la station pour Dundee 33, je suis bloqué là dans les bouchons sur la rocade. Ah si, bien le bonjour. Je suis dans le bas du pont d'Aquitaine, là, direction Bayonne, ça roule au bras de mon côté. Ouais, bon, ben ça roule aussi, hein. Dans le meilleur des cas, j'arrive à atteindre 40 km/h. Je sors du boulot, moi, en ce qui me concerne. Ok, mais moi, je suis là, voilà. J'ai essayé de s'attendre de zigzag, j'ai déjà compté des milliers de fois, mon ami. Ok. Bon, là, ça se rend compte parce que c'est du matin, c'est bizarre, c'est pas possible pour l'apéro, c'est du lager dans le sens de l'électricité. Putain, la vache, j'ai du QRM là, là où je suis en train de passer, là. Au secours, je t'ai entendu parler, ça c'est sûr. Mais là, du coup, j'ai rien compris avec les QRM. Ah, désolé, mais y a les QRM là qui me jouent des troubles faites. J'aimerais bien avancer un peu plus vite là pour te rattraper un peu, mais c'est pas gagné. Hein. Ouais, j'ai à peu près compris. Ok, dans l'ensemble, oui, là c'est passé. Ok, bonne route à toi, bon pro. Pour ma part, je m'en vais au 144. Voilà, je suis à 600 mètres de la sortie 7, là, le Busca. Je suis à la du rond-point. Ouais, ça arrive à passer un peu là pour le moment. Hein. Donc on va peut-être pouvoir continuer un peu au niveau du casino, hein, du bowling. Ah mais tu viens vers moi là pour le coup. Négatif, on va faire une condition, si je vois dans les essentiels, on va faire un démontage. Tu vas faire. Attends, j'ai compris que tu vas faire un démontage. Non mais ou alors j'ai rien compris. Quoi. Au secours. Ben, et t'arrives du pont d'Aquitaine, tu te diriges vers le casino. C'est que là tu viens vers moi là, puisque moi là je suis. Ah zut, je débouche de Mérignac et je m'en vais vers le pont d'Aquitaine. Ouais ok, mais moi je suis en train de faire une position pour nous là, tout ça se rend compte. C'est pareil là, j'ai beaucoup de QRM par moment, c'est dur. Bonjour les stations pour les TX, merci. Ok, la station pour les CDTX, ça fonctionne de mon côté. J'arrive à Eysines, enfin, je suis sur la rocade, à la hauteur de la sortie 7, le Busca Eysines. Et c'est passé très bien, quoi. D'ailleurs, au-dessus là, de notre station là, qui est aussi sur la rocade. Ouais, bon, la station pour le CNETX, c'est bien passé en tout cas. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Merci, je suis à la hauteur de la sortie 7, hein, dans les bouchons là sur la rocade. En plus, il pleut, alors autant dire que ça promet. Quoi. On va avoir le temps de voir le paysage. Ok, oh les pauvres, oh les enfants martyrisés, quoi. ouais, la station avec qui j'étais, là, qui m'a appelé, là, je t'entends très très QRP, hein. Là, tu dois être coincé entre les bâtiments ou je sais pas. Putain, mais en tout cas, là, si d'habitude c'est le bordel sur la rocade, et bien là, ce coup-ci, je te dis pas, c'est vraiment le bordel sur la rocade. Ouais, c'est comme un safe, hein. Je suis dans les QRM Bécot, là. Donc, je vais pas du tout entendre entre les amas de ferraille, les parties de terrain, dur. Putain, ce coup-ci, j'ai l'aiguille du poste qui a fait deux fois le tour, là, tellement que t'es passé fort. Ouais, c'est comme un safe, hein. Je suis rendu au parti de coup, là. On part des espoirs. Ah bah t'es pas loin. Ok d'accord, bonne journée à toi, bon pro, bye bye. Merci, ciao.
Ok, ciao. Alors, la station qui martyrise ses enfants en les envoyant à l'école. Je déconne, je plaisante. T'es toujours là? Ah, je plaisante. C'est parce que je sais qu'ils sont à côté de toi que du coup, je te fais culpabiliser. Eh bien, t'as bien raison. Surtout que là, en plus, là, j'espère que c'est à l'abri, là, que tu vas travailler. Parce que là, vu la météo, paraît-il que ça va être ça toute la journée. En tout cas, moi, pour ma part, je sors du boulot. J'ai passé la nuit, là, sur Mérignac. J'ai une bonne 60aine de kilomètres à faire pour rentrer jusqu'à la maison. Autrement dit, j'habite à côté. Ok, ah c'est bon ça. Donc un de ces quatre, j'arriverai à t'avoir en fréquence depuis le camping-car. C'est génial ça, c'est super ça. Eh bien si tu veux, à moins que tu connaisses déjà, si tu veux des infos de ça, des tuyaux, des trucs comme ça, tu as le forum La Planète Sibi Francophone. Voilà, et ben, c'est moi l'administrateur du forum justement. Donc si tu es intéressé d'avoir des infos et tout ça, il y a d'autres membres qui sont aussi en camping-car et tout ça. Ça partage énormément d'infos. Hein. Ça marche, la bonne journée à toi et à la prochaine. Bonne journée à toi aussi, à la prochaine. Ok, les bus 1351 de Dandy 33, Rémi, voilà, en mobile, en voiture. A plus. Et après ça, on dit qu'il n'y a plus personne en voiture. Eh bien si, on n'est pas les seuls loin de là. Ok, allez, je te laisse sortir tes enfants, les emmener à l'école. A plus. Ah, j'ai entendu quelqu'un dans le très lointain, très QRP. Si ça arrive à passer, les 73-51, la station de la part de Dandy 33, coincé dans les bouchons sur la rocade de Bordeaux. Bordeaux Nord, de ce côté-là. Alors je suis à hauteur de la sortie 5 Bruges. Les stations qui sont sur la rocade ouest, qui vont en direction du pont d'Aquitaine. C'est le bordel au niveau du pont. Il y a la voie la plus à droite là, qui est fermée. Hein. Bon, je sais que ça, j'ai bien vu que ça n'a pas répondu. Et je sais aussi qu'il y a du monde en écoute derrière. Hein. Ils ont quand même pris l'info. Ah, j'ai entendu gazouiller. Non, c'est de la moustache. Thank you.
entendu quelqu'un. Et ce sont 13h51 à la station de la part de Dundee 33 dans la montée du pont d'Aquitaine. Où là, c'est le bordel de ce côté-ci. Ah, il y a un véhicule en panne sur la voie de droite. Ah, sur les ondes aussi, c'est le bordel. Attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà, ok. J'ai pas mal de QRM là dans la montée du pont d'Aquitaine. Et en plus de ça, avec cette flotte, ça m'en rajoute encore un peu plus des QRM. Ah mais j'entends parler, mais désolé, je comprends rien du tout. Je sais même pas si c'est quelqu'un que j'ai eu tout à l'heure. Tellement que c'est inaudible à cause des QRM qu'il y a sur ce foutu pont. Ah, c'est... Ok, voilà. Là, je suis en plein sur le tablier. Là, ça passe. Ok, là, oui, là, je t'entends très bien. Là, oui, ça passe encore. Ben là, ouais. En plus de ça, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai des essuie-glaces qui passent là dans le poste, alors que d'habitude, ça ne le fait jamais. Il y a des jours comme ça, les jours se suivent, mais ça ne ressemble pas. Ah, chi ! Alors, d'un seul coup, avoir le bruit des essuie-glaces dans le bouche, je peux te dire que ça bouche la vue pour arriver à te sortir. Ouais, je te sens encore un peu là, je viens de passer le radar de Normand là. Donc là peut-être, par contre dans l'autre sens, là c'est pareil, c'est pas mal bouché et tout ça. Eh oui, 8h05, c'est normal. Tout le monde va bosser. Ouais, je pensais pas qu'il restait encore autant de courageux. Quoi. Non, je plaisante, je dégonne. Je m'en vais attraper la rocade rive droite. Ah bien voir, on va rouler tranquille parce que c'est vrai qu'avec la flotte, les gens ça fait un petit peu n'importe quoi là. Si tu m'entends encore, je viens d'arriver à la sortie 26. Et puis là, c'est bon, j'ai les essuie-glaces qui ont arrêté de chanter dans le poste. Donc là, mis à part les QRM qu'il peut y avoir là dans le secteur, ça devrait passer là, normalement. Ah ben, ça recommence un peu. Bon, ok, ben, si tu as parlé, visiblement de mon côté ça passe plus en tout cas. Là, ça, je t'entends plus. Là, je suis en haut de la sortie 26 pour attraper la direction de Libourne. Il m'a semblé entendre quelque chose. Alors, je suis même pas sûr d'avoir entendu quelque chose. C'est peut-être un QRM ou je sais pas. Alors, c'est pas un QRM que j'ai entendu. Oui, je t'entends, je suis à la sortie 26, là je suis en train de... Là je vais passer par-dessus la rocade pour attraper la nationale 89. Là ça passe encore de mon côté.
Bon, ben là, par contre, ça passe plus. Et zut, juste avant que je reclenche la vidéo, je l'ai entendu, quoi. La station, t'es toujours là? Bon, bah, de toute façon, là, je m'éloigne. Et bonne saison 1351 à toi, c'est déjà fait. Bonne journée, à plus! Ah, il y a du monde derrière. Ouais. Pas facile à entendre. Hein. Autant dire que j'ai pas mal monté le volume. Donc c'est même pas la peine de les déranger, ils sont bien tranquilles là sur leur canal. Pour eux la CB ben, c'est un radio téléphone. Ça n'est pas une réflexion que je fais loin de là, c'est que la CB a plusieurs aspects. CB loisir ou CB utile. Les stations qui arrivent de Bordeaux, qui vont en direction de... qui partent vers l'est, entre la sortie 8 et 9, ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne. On roule, on est à quoi? On est à 10 à l'heure. Il y en a dans le lointain, là. Bon, attention, les stations en fréquence qui sont sur la salle 89. Entre la sortie 8 et 9, ça bouchonne dur. On est à quoi? On est presque à l'arrêt. Quoi. Qu'est-ce que... Et voilà, des perturbateurs qui se mettent en FM. Les stations en fréquence qui prennent la, ou qui vont prendre la nacelle 89,
entre la sortie 8 et 9, ça bouchonne dur. J'aurais vu ça plus tôt. Merci. Ok, bonne route à toi. T'es dans l'autre sens, j'imagine, non? Ah ben, il y en a qui ont de la chance. J'aurais vu ça plus tôt que que j'aurais pris plutôt la 8. Et là, ok, là, je me serais faufilé par là pour rentrer chez moi. Ça aurait été mieux, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bonne route. Merci, toi aussi, bonne route avec les bonnes 113-51 de Dandy 33, Rémi. Voilà, en mobile, en voiture. Ok, retournez. Ah, vous voyez qu'il y a du monde t'écoute derrière. Voilà, la preuve en est faite. Ah. Oh ben c'est pas gagné moi pour rentrer chez moi pour aller dormir. 8h20 passé, aïe aïe.